Quelle nouvelle? Moi, on va parler de ça là. Et si on revenait aux choses essentielles, comme le manger? Voilà, est-ce que tout le monde doit manger? Tout le monde doit manger. Donc, si dorénavant je ne parlais que de nourriture, je serais persuadée de répondre un besoin universel, vraiment. C'est pour ça que, par exemple, l'exercice du pancake me recentre. Cette onctuosité. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est d'avoir un petit déjeuner un peu régressif, un peu sain quand même, un peu consistant, parce que moi je prends pas de déjeuner, donc voilà, ça me tient bien. Il y a tout un rituel, j'ai deux poêles, ça cuit, j'écoute des podcasts en même temps, c'est mon moment de développement personnel, c'est très méditatif, ça sent bon dans la maison, c'est un peu dimanche tous les jours. Voilà, pendant le confinement, c'était un moment de grand réconfort. Mes bananes, elles sont au stade terminal. J'ai peur pour elles. Je fais à deux poils, ça va plus vite, ça fait plus de vaisselle, mais fais-moi confiance. Ce qui va se passer, c'est que là-dedans, je vais écraser une grosse banane. Je vais mettre de la poudre à lever, du sel, de l'huile et du sirop d'érable. Je vais mélanger tout ça. Après, je vais rajouter du lait de soja et puis et toutes les farines. Vous en êtes où, vous, sur le gluten? Moi, franchement... Dans ma version, il n'y a pas moins de 5 farines différentes. Oui. Farine de coco, d'avoine, de blé, sarrasin et châtaigne. C'est un peu ça la définition de la félicité, c'est peser 5 farines différentes et ah j'en ai trop mis. Ça c'est assez satisfaisant ce moment-là. Ça va cuire maintenant cette affaire. Bon, on préchauffe les poêles, on range les farines, on préchauffe le four. Oh c'est chiant. J'ai un petit peu de désespoir, mais on va y arriver ensemble, d'accord? La recette pour moi fait 6 gros pancakes, j'en mange 3, donc ça fait pour 2 personnes, et ça tient bien. J'adore le bruit ça fait. En attendant, les fruits rouges à décongeler. Ah, ça chauffe! Ah, comment cela, ça chauffe trop! Oh là là! Huile d'avocat dans la poêle. Une louche bien pleine égale un pancake. C'est très simple. Et là, pendant que ça cuit, eh bien généralement... Bonjour. Oh, je t'aime, elle s'est synchronisée. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Je vous recommande Multi Amori, qui est un podcast orienté polyamour. Peut-être il faut que je tourne les pancakes. Oh, c'est parfait. Oh, oui, tu es beau. Attention. Ouh. Ah non. Ouh. T'es un peu trop cuit, toi, non? Vous êtes mes enfants. Ok, je parlais de Multi Amori, ce podcast américain sur le polyamour. Alors, il y a genre 200, combien? Presque 300 épisodes. Si vous vous lancez dans ces histoires, alors là, vous avez à manger pour des mois, quoi. Ça va tellement en détail sur tellement de thématiques. Communication, jalousie, l'argent, l'énergie de la nouvelle relation. J'avais adoré celui sur le self-sabotage. Why you make bad decisions? Ah, faut que je l'écoute celui-là. The Multi Amory Podcast. Apparemment, quand il y a moins de gluten, ça prend plus de temps à cuire. Là, il y en a un que j'ai mal tourné parce que je dois faire une vidéo pour te montrer comment je cuisine. Donc, ça m'a fait rater la chose que j'aime le plus dans ma journée. Donc, je refais ça encore 2 fois. Ça va faire 6. Et on sera bon. On en aura 3 pour nous maintenant. Et 3 pour... ton amoureux, ton voisin, ton enfant, ou pour ton toi de demain, qui sera ravi. À ce moment-là,
Je sors le truc qui est chaud, tu vois, toc comme ça. Et ça, je remets au four. Et ils sont gentils. Ils nous attendent. Ils ont hâte. Ils sont dans l'anticipation apaisée d'être mangés. On y retourne. Oh, c'est ridicule. Ils sont gentils. Tu vas me dire, c'est comme tous les moments, Solange, mais je me cherche pas mal. Créativement, d'ailleurs, tous mes parapluies en sont témoins. Il se passe des choses là-bas. Il y a Clément qui a dit un truc. Moi, je découvre tout fraîchement cet espace et ça me donne vraiment accès à un pan de ton travail à côté duquel j'étais passée. C'est super enthousiasmant de te voir explorer d'autres pistes et tous ces échanges entre toi et tes parapluies sont partie prenante de ton œuvre. Mais oui, ce sont des gens bien, ce sont des gens qui veulent mon bien, ce sont des gens... Oh, il faut retourner. Est-ce que c'est l'heure de retourner? Wouh! Yeah! Il est pas prêt pour ça dans sa vie. Je voulais respecter qui tu étais, tu vois, parce qu'en fait, on a des délais à tenir, n'empêche. Wow, ça va, même pas mal. Oui, enfin, ce sont des gens bien, les gens qui reconnaissent que dans la vie d'un artiste, il y a des carrefours. Et à ces carrefours, il faut avoir les moyens de se renouveler et de puiser là où on n'était pas allé et de faire sortir de soi et de chercher et de se tromper et de tenter et de stagner. Quand on les connaît bien, on sait à la texture. Est-ce que c'est une fermeté cuite ou une mollesse crue? Ils seront contents là, nos deux amis au chaud. Ils ont des nouveaux potes. Oui. À bientôt très vite. Voilà ce que je me dis. Je vais te dire ce que je me dis. Sur la fin, c'est un petit peu technique. Tu vois, il faut racler le fond pour remplir la louche et en faire deux qui soient équivalents. Tu as une taille très respectable. Je te rassure. Là, généralement, à ce moment-ci, j'en profite pour avancer la vaisselle. Donc, je lave ça. Ce que je te disais, c'est que moi, je ne suis pas très loin. Je ne suis pas très loin de penser que nourrir les humains est l'une des activités les plus nobles qui soit. Et que peut-être que c'est même mieux que faire des livres et des films et des spectacles qui coûtent cher et qui fatiguent tout le monde. Voilà. Aimerais-tu que cette chaîne devienne une chaîne de cuisine? Tu as vu quand même, j'assure. J'ai des qualités indéniables. Tu vas me regarder faire la vaisselle, comme ça on fait la vaisselle ensemble, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intime. Je sais plus si je veux faire le bien sur la terre. Parfois j'ai plus envie. Parce que dès qu'on commence à s'aventurer sur le terrain glissant de l'art, et j'en sais quelque chose, eh bien tout est discutable. Et je m'en sors plus. Alors que manger, c'est indiscutable. Alors que manger, c'est irrémédiable. Manger, c'est un absolu. C'est ce qui rapproche. C'est ce qui fait vivre. Manger, c'est ce qui fait jouir. C'est profond de manger. Et c'est sale aussi un peu. Et c'est problématique. Oui, vraiment, parfois. C'est répétitif. Parce que... Et c'est chiant, au propre comme au figuré, manger, tu vois. C'est tout ça, manger. Donc peut-être que maintenant, c'est Solange mange. Solange te mange. C'est ton tour. Waouh ! Oui ! Et nos amis sont chauds. Non, mais... J'ai le droit de faire n'importe quoi, c'est chez moi, non, en vrai. Si je me donne pas le droit, qui me le donnera ? J'avais vraiment besoin de ça, là, de faire des pancakes avec toi, tu comprends ? Ah, et si on se faisait un thé ? Je coupe le feu, je remets nos amis au chaud. J'ai mal calculé le thé. Tout est sous contrôle, on s'inquiète pas, hein. Je gère, je sais pas ce que je fais. J'adore boire mon thé dans un verre. Peut-être un jour, je te dirai pourquoi. C'est un Ceylan d'Abonten qui me coûte une blinde, mais qui est tellement délicieux. Non ! C'est encore à cause de toi. Je perds tous mes moyens. Le thé, tu sais ce que c'est, le thé. Je te montre pas du thé. On arrive au moment critique de... Je vais choisir les pancakes que je vais manger aujourd'hui. Et...
mettre de côté ce que je mangerai demain. Vous êtes tous mes enfants égaux, mais quand même là, c'est pour la visibilité éternelle sur Internet, donc on sait qu'il faut quand même pas déconner. Hein. On va changer de décor. Ça nous réjouit que tu sois là. Oui. Les pancakes sont là. Les fruits rouges sont là. Le thé est là. Moi j'aime bien aussi avec de la compote, format familial, maxi family. Et du yaourt de soja, j'aime bien aussi. Je rajoute pas forcément de sirop d'érable parce que... Oh là là, ils sont à... Regardez. Ils sont assez sucrés. Est-ce que c'est de la torture animale? Je sais pas, j'ai dû faire cette recette 58 fois. Je m'en lasse toujours pas. Oh, c'est parfait. Oh, je me brûle, mais c'est parfait. Ok. Ok. Dites-moi, vous aimeriez voir quoi sur cette chaîne dans l'avenir, s'il existe un avenir entre nous? Dites-moi, c'est trop bon. J'ai le trac de le faire devant toi.